Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous emmène faire un tour à l'électro-dépôt. Il fait moins 1 aujourd'hui à Clermont-Ferrand et je vous emmène faire un tour à l'électro-dépôt. Je vais surtout répondre à vos demandes, à vos commentaires, à vos questions. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas. Électro-dépôt, si vous recherchez quelque chose, dites-le moi en commentaire. Je reviendrai, vous savez que je passe assez souvent pour vous montrer pas mal de petites choses, des nouveautés, des promotions et surtout répondre à vos demandes. Let's go! Alors, par contre, les amis, s'il vous plaît, quand je vous demande, quand je vous dis de m'écrire en commentaire, n'hésitez pas à me donner un maximum d'informations parce que j'ai une abonnée. Elle m'a demandé les télés, mais si, si je dois vous montrer toutes les télés, ben, ce sera une vidéo spéciale télé là. Non, n'hésitez pas à me donner. Bah, le maximum d'infos, une télé par exemple de 50 pouces, de 1 mètre, enfin vous voyez, donnez-moi des un petit peu de détails quoi. Parce que là il y en a des big, il y en a des petites, il y en a des grandes, je sais pas quoi vous montrer. Et vraiment j'ai envie de répondre à votre demande quoi. Alors il y a celle-ci de la marque TCL, c'est une 164 cm 65 pouces, elle a 548 euros. Voilà, 4K, LED, Google TV, voilà. Alors après, il y a celle-ci de la marque Edenwood, USD 4K, elle est à 475 euros et c'est une télé de 1m64, 65 pouces Smart TV. Ok, alors il y a celle-là aussi, c'est une 153 cm, elle a 599 euros, c'est de la marque LG. 699 euros, Samsung, 140 cm, 55 pouces Smart TV aussi. Celle-là, c'est une Hisense, 589 euros, 55 pouces, Smart TV, 139 cm. Voilà, je vous montre assez rapidement comme ça, hein, sans trop rentrer dans les détails. Donc celle-ci, donc, ils nous disent caractéristiques 139 cm, Google TV, 539 euros. Et, comme, ouais, je vous ai dit, 55 pouces. Ouais. On continue avec celle-ci, Samsung. C'est une Smart TV 138 cm 469 euros. Donc celle-ci c'est une TCL. TCL Google TV 429 euros 139 cm. Là on a une autre, c'est une Samsung. Samsung 399 euros USD 4K Smart TV 125 cm. TCL, donc TCL Google TV 50 pouces 127 cm. Elle est à 494 euros. Alors après on a les big télé, là c'est 889 euros, 189 cm, 1m89, voilà. Et là il y en a vraiment pas mal, hein. 729, 889, voilà. Allez, je continue ici avec les arrivages. On a un micro-ondes Whirlpool à poser, hein. Celui-ci il est très joli. Hop, regardez l'intérieur, 25 litres de contenance, là, on a différents programmes. Voilà, donc à 169 euros 800 watts. On va aussi demander les nettoyeurs de sol. Alors, je vais aussi vous montrer les différents. Alors, il y a celui-ci de la marque Karcher. En tout cas, je vais vous montrer ce qu'on peut retrouver là. Donc, nettoyeur de sol. Sol dure 15 minutes pour l'autonomie. Il y a un réservoir de 200 ml de contenance à 149 euros. Bon, j'ai aucun retour hein, sur cette marque-là. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. Tiens, ça tombe bien, on m'a aussi demandé
élevée, moquette élevée, donc c'est bien ça. Filtre HEPA lavable, performance standard. Voilà, donc il a 229 € les amis. Lave-vaisselle, là c'est un lave-vaisselle de 10 couverts. Couleur chromée comme ça. C'est de la marque Valberg, celui-là il a 259 €. Le blanc qui est à côté, c'est donc de la marque Valberg, c'est un 14 couverts, il est à 259 €. Lave-vaisselle Valberg, 14 couverts, 309,98 €. Il y a également celui-ci à côté, toujours de la marque Valberg, c'est un 14 couverts, il est à 329 €. Donc là, c'est un fin de stock, c'est-à-dire qu'ils vendent le modèle d'expo. Il y a ici un petit choc, un petit peu abîmé, à 339 €. La vaisselle de la marque Beko, 15 couverts, 399. Il y a également donc celui-ci de la marque Valberg, il est à 429 € et c'est un 14 couverts. Arrivage quantité limitée, Whirlpool, 479 €, 14 couverts. Haute pointe Ariston ici, donc 489,98 €, 14 couverts. Il y a ça donc en arrivage quantité, après il y a celui-ci aussi qui est pas mal. C'est un lave-vaisselle du coup LG, 14 couverts, il est beau hein. Ah ouais, il est vraiment sympa. 14 couverts à 497 €, on a également celui-ci, alors il y a beaucoup de choix là franchement. Donc Whirlpool, 579 €, 15 couverts. Et voilà la marque Whirlpool. Après ceux-là ce sont des lave-vaisselle intégrables. Si vous êtes intéressé, dites-le moi, hein. Je peux vous les montrer la prochaine fois. Il y a celui-ci en arrivage quantité limitée, c'est de la marque Whirlpool, pardon. 14 couverts, il est à 459 €. Là je vais répondre à des abonnés qui recherchent un réfrigérateur combiné. Donc voilà, donc je vais vous montrer certains modèles. Là c'est pour le réfrigérateur intégrable. Hein. Hop, on a donc le congèle comme ça. Trois couverts, oh là là. Trois tiroirs, pardon. 70 litres de contenance et là c'est 179 litres de contenance. Pour la marque, c'est la marque Valberg. Il est à 369 €. Alors, si vous recherchez d'autres modèles et que vous ne voyez pas beaucoup de choix ici en magasin, n'hésitez pas à regarder sur leur site internet. Hein. Voilà, ici, on a un réfrigérateur de la marque Whirlpool. Une porte intégrable hein, toujours. 569 €. Voilà, 569 €. Hop là. Là, on a un réfrigérateur, une porte. Donc là, c'est plus de l'intégrable. Hein. 299 € de la marque Valberg. Vous avez clairement de quoi faire là. Réfrigérateur. Et là, il y a 331 litres de contenance. Alors, réfrigérateur combiné, on a celui-ci qui est à 339,97 €. C'est de la marque Valberg. 95 litres de contenance pour le congélateur. Voilà, il y a trois tiroirs. Ensuite, 216 litres de contenance pour le dessus. Voilà, 339,97 € pour celui-ci. Là, on a notre modèle comme ça en blanc. Là, il y a les tiroirs. 299 €. Alors, 299 €, 71 litres de contenance. C'est de la marque Valberg. Le réfrigérateur, c'est 199 litres de contenance. Alors, il y a celui-ci, regardez en rouge. Il est joli. C'est de la marque Sharp. Alors, celui-ci, c'est un réfrigérateur combiné. Hein. Il y a ici trois tiroirs. Trois tiroirs congèle, 101 litres de contenance. 230 litres de contenance pour le réfrigérateur. Ça, c'est pour régler l'humidité, pardon. C'est pas mal, ça. Ok. Alors, 579 € la marque Sharp, 230 litres et 101 litres. Après là, vous avez celui-ci de la marque Valberg. C'est 216 litres pour le réfrigérateur. Le congèle, 122 litres. Bon, je n'ouvre pas. Pareil, hein, 3 tiroirs en bas, 529 €. Il y a celui-ci, un petit peu plus foncé, la marque Daou. C'est 88 litres de contenance pour le congèle.
et 207 litres pour le réfrigérateur. Celui-ci, c'est de la marque Valberg, 83 litres pour le congèle et 243 litres pour le réfrigérateur au prix de 429 euros. Il y a celui-ci en arrivage également, il est sympa, il n'est pas très grand. Essence, une petite touche de noir ici, c'est sympa. Distributeur de boissons. Alors là, on ouvre comme ça. Alors là, on a 252 litres de contenance pour le réfrigérateur et 73 litres de contenance pour le congèle. Celui-ci, il a 479 euros de la marque Valberg. 321 litres de contenance pour le réfrigérateur. Le congèle, c'est 94 litres. Il y a celui-ci en réfrigérateur américain. Il y a distributeur d'eau, de glaçons. Là, c'est les seuls congèles en fait. 185 litres et 344 litres de contenance pour ce côté-là. 579,97 €. Après, vous avez celui-ci qui est à 899 € de la marque Essence. 191 litres de contenance pour le congèle. 369 litres de contenance pour le réfrigérateur. Ici, on a une petite cachette secrète. En fait, ça s'ouvre. Vous pouvez mettre juste la main et prendre une petite canette, par exemple, ou une bouteille d'eau, comme vous le souhaitez. Voilà, donc l'intérieur, distributeur d'eau, de glaçons, etc. 899 €. À côté, c'est de la marque Samsung. Là, on est sur 225 litres de contenance pour le congèle et 409 litres de contenance pour le réfrigérateur. Voilà, au prix de 1196 €. On m'a demandé aussi les autocuiseurs. Ah oui, je vous le dis souvent dans les vidéos de chez Electrodépôt. Il n'y a pas que de l'électroménager, on peut retrouver de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, enfin pas mal de choses sympas. Et notamment ici, des petites cocottes autocuiseurs. Et là, il y a pas mal de choses avec, hein. Il n'y a pas que l'autocuiseur. Il y a donc... qu'est-ce qu'il y a? Il y a une casserole. Alors à l'intérieur, il y a pas mal de choses comme je vous disais. On a donc protection pour poêle, poignée, le couvercle, un faitout de 4 litres, un panier vapeur. Une casserole avec le manche, hein, voilà la poignée, une poêle, voilà, c'est tout feu d'induction pour 149 €. Hein. Voilà, 149 € ici. Après, on va retrouver ici une batterie de cuisine. Alors 13 pièces pour 99,99 €. Tout feu dont induction. Également celle-ci, donc là c'est l'Agostina. Il y a un faitout, deux poêles, une casserole pour 49,98 €. Celle-ci de la marque Tefal. Donc il y a deux faitouts, une casserole. C'est tout feu, dont induction également, pour 49,98 €. Alors ici, qu'est-ce que nous avons en arrivage quantité limitée? C'est la Tassimo Bosch avec 32 dosettes pour 44,98 €. Sinon, en autocuiseur, vous avez celle-ci, j'ai envie de vous dire, une classique. Hein. Elle a combien celle-là? 8 litres de contenance, elle a 59,98 €. Enfin, voilà, une comme ça. Et voilà, comme je vous disais, chez Electrodépôt, il y a plein de choses. Des poêles, des casseroles, plein de petites choses. Ah oui, on m'a demandé des petits paniers en silicone pour la air fryer. Moi, j'en ai pas vu. Alors, je viens de regarder un peu dans les rayons, il n'y a pas hein, la air fryer. Non, les air fryers, il y en a, je vous les ai montrés déjà dans la vidéo précédente, je dirais. N'hésitez pas, hein. Il y a des playlists hein, dans ma chaîne, comme ça vous pouvez voir toutes les vidéos d'Electrodépôt. Bon, voilà, je vais m'arrêter là moi pour cette vidéo, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Je vous dis donc à très vite, je vous attends en commentaire. Hein. Dites-moi si vous recherchez quelque chose en particulier, si vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.